Le cours est dédié à la réussite dans tous les domaines, Torah, Virachamaim Benzrat Hashem de Eliao, Ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, lorsqu'on nous parle des Yamim Noraim, des jours redoutables, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Il est écrit dans le passage Ariechaag Miloira. Lorsque le lion a rugi, qui est-ce qui n'a pas eu peur Qui est-ce qui n'aura pas peur plus précisément nous disent, c'est qui ce lion là? Aleph c'est Elul, Resh c'est Rosh Hashanah, Yud c'est Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah Tous ces grands, grands, grands jours de jugement. Lorsque le lion a rugi, qui est-ce qui n'aura pas peur? La question a été posée à Fraym Ganievski. Pourquoi quand on nous parle de ce lion, on nous parle de ce lion qui a rugi au passé? Pourtant ce lion, c'est un lion qui se trouve chaque année. Chaque année, Ariesha Miloïra, chaque année, il faut commencer à se remettre en question. Il faut commencer à être un petit peu inquiet de ce qui risque de se produire. Pourquoi on nous parle de ce lion au passé Vient le après Kanievski. Et il dit, qu'est-ce qui peut véritablement me faire peur Je sais qu'il y a un jour décisif qui va arriver. Mais je peux me dire, bon ok, ça va, de toute façon, les gens y vivent, et là, pas de problème. Qu'est-ce qui peut me rappeler C'est qui ce lion-là qui est en train de me menacer et qui me dit Où tu fais tes chouvas ou tu es mal C'est qui Eh bien, c'est le lion de toute l'année passée. Chers amis, nous avons passé une année extrêmement difficile, vous le savez, extrêmement douloureuse. Nous avons perdu des tas de gens, de tzadikim, de gens iréchamaïm, plein, 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 plein de gens, et combien de catastrophes et combien de désastres Terrible année qu'on a passée. Aries, à c'est cette année-là, avec toutes les difficultés, les souffrances, les catastrophes qui ont eu. Cette année-là, c'est le lion qui hurle et qui dit qu'est-ce que tu crois. Ça a eu lieu quand tout ça Quand ça a été décidé tout ça À Rosh Hashanah Passé. Rosh Hashanah Passé, ça a été décidé tout ce qui allait se passer avec le Covid, tout ce qui allait se passer avec le drame de Méron, tout ce qui allait se passer avec tous les drames qu'il y a eu dans le monde entier. Ça, c'est un lion qui hurle et qui dit réveillez-vous, réveillez-vous, il y a encore du temps maintenant jusqu'au prochain, Rosh Hashanah. Vous voulez une année meilleure, Bezrat Hashem Il y a du temps. Remettez-vous en question. Posez-vous des questions. Revenez vers Hashem. C'est pour ça qu'on parle au passé. Le lion, c'est l'année passée avec toutes ses difficultés. C'est elle qui nous remet en question et qui nous dit réveillez-vous, réveillez-vous. Et là, nous allons arriver, Bezrat Hashem, au stichot. Et dans les Slichot, nous disons Hachem, Hachem pardonne-nous, Hachem pardonne-nous, Hachem pardonne-nous. Il y a certains qui font remarquer que ce terme de pardon, il peut signifier deux choses. Première chose, il y a quelqu'un auquel j'ai fait du mal, quelqu'un que j'ai fait souffrir, quelqu'un auquel j'ai fait perdre beaucoup d'argent. Je viens le voir et je lui Je suis désolé, est-ce que tu veux bien me pardonner Je suis conscient de tout le mal que je t'ai fait, s'il te plaît. Je sais que j'ai besoin que tu me pardonnes. Sois gentil avec moi, fais-moi une grande faveur, pardonne-moi. Et il y a un autre cas. Je suis dans la rue, je veux passer, et quelqu'un qui me dérange, si je suis poli, je lui dis pardon, genre pousse-toi. Euh, si je ne suis pas poli, je lui dis dégage. L'autre il me regarde, il me dit euh, Tu peux au moins me dire dégage s'il te plaît. Mais si je suis poli, pardon. Le même terme a été employé pour dire pardon parce que je sais que je t'ai fait du mal, et pardon, genre bouge-toi dix Rachamim, Rabbi Derman y ramène cet enseignement-là. Lorsque tu viens demander pardon à Hachem, tu as deux façons de demander pardon. Tu peux dire à Hachem, pardon, je sais que j'ai mal agi cette année, je sais que j'ai commis des averrottes, je sais que j'ai besoin d'une immense miséricorde, je sais que l'année prochaine, elle va dépendre de mes tfilotes de ma teshuva en ce moment. Ou alors, je peux dire à Hachem, pardon, j'en laisse-moi passer. Laisse-moi passer ces jours-là, allez. Il y a des jours-là un peu difficiles, allez, juste laisse-moi passer. Ne me dérange pas trop. À nous bésratachem de venir avec cette modestie-là, avec cette humilité et avec cette compréhension des choses que toute l'année prochaine est entre nos mains maintenant, à présent. mes chers amis, shana